pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Bonjour tout le monde, c'est l'OSH, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de Wario Land, notre deuxième épisode, on reprend. Alors, on va reprendre notre fichier, et je rappelle, nous avions fait donc le niveau 1, le niveau 2. Donc, rappelez-vous, c'est le premier monde, il s'agit de Rice Beach, voilà. Et je vais vous afficher justement le nombre de mondes et le nombre de niveaux en détail qu'il y a. Voilà, je vais vous afficher ça dans un instant. Nous allons reprendre le niveau 2, donc la course numéro 2 comme ils appellent, et je rappelle on avait pris le checkpoint, voilà, qui nous avait coûté 10 pièces, donc on ne recommence pas du début, on reprend là où on s'était arrêté, là où on a vu en fait un chaos, et on avait sauvegardé donc à ce checkpoint, ça évite d'avoir à tout refaire. Bon, les checkpoints coûtent 10 pièces, j'avais dit je vais peut-être pas les prendre, étant donné qu'il faut avoir quand même le maximum de pièces dans le jeu. Et je vais avoir, voilà, retrouvé ma transformation lapin. La dernière fois, je m'étais fait avoir à cause de lui. Donc, en fait, il faut le laisser tomber, voilà. Et ensuite, voilà, c'est beaucoup mieux. Et vous allez voir, je peux planer avec ça. C'est génial, j'adore. Alors par contre, lui, attention à lui là-bas. Faudrait... peut-être pas trop le chercher. Bon, on va aller là. Alors, je voulais aller à droite, mais je voudrais d'abord voir ce qu'il y a ici. Est-ce que c'est une zone qu'on a fait ou pas? Ça, ouais, ça me dit quelque chose, là. Ouais, on va remonter. Alors, attention à toi, encore une fois. Voilà. Je vais essayer de me démerder mieux que la dernière fois. Regardez, hein, mon nombre de pièces, mon nombre de cœurs a atteint 0. Le compteur, du coup, j'ai gagné une vie. À chaque monstre tué, je gagne 10. Ah, attention, ça c'est une autre transformation et je veux garder mon Wario fusée. Regardez. On peut planer longtemps, hein, c'est quand même cool. Ouais, ah ouais, je veux garder ça, moi. C'est le meilleur. Bon, tant pis. On n'est pas un monstre près. Voilà, donc je suis à 2 et si je prends un cœur, je gagne 10. Je suis à 12. On a 5 vies. Bah écoutez, on est bien, on est plutôt bien, c'est quoi ça? Je veux pas changer de transformation. Oh, je peux les défoncer avec ça, c'est génial. Ah, cool. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Alors, attends, parce que là, je me perds un peu. J'ai l'impression de refaire un truc, en fait. On a déjà fait ça. Oh, putain. Ah, oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut le toucher, lui, ou pas? J'ai un doute. Bah, il faut tenter, hein. Oui. On peut toucher, mais ça sert à rien. Ouais, bon, je peux passer en dessous, si je veux. Voilà. Ah, je suis pas venu, ici. Je voudrais reprendre le passage en hauteur qu'on a loupé la dernière fois. Ça ne me dit rien, cette zone. Est-ce que je l'ai faite? Non, je ne l'ai pas faite. Ah bah si, je l'ai faite. C'est le checkpoint. Pff. Bon, ça m'a permis de récupérer des pièces, ceci dit. On va prendre le chemin en hauteur. Allez, on y va. On y va de ce pas. Est-ce que lui... Je vais le laisser tranquille, lui. J'ai pas envie de prendre un risque. On va s'envoler très très haut. Et attention à l'autre qui vole, là. Non, c'est triste, la vie est triste. La vie est triste. Je suis dégoûté. Bon. Toi, tu m'emmerdes. Vas-y, crame. Voilà. Eh ben, on reprend le passage en hauteur. Malheureusement, on n'aura pas Wario fusée. Et je rappelle, les plateformes vont disparaître. Donc, on a intérêt à être très prudent. Ça va pas être simple. Putain, c'est con. Je voulais vraiment le garder. Dégoûté. Dégoûté. Alors, lui...
Vous le touchez, vous touchez ses pics, vous êtes mort en un coup. Si mes souvenirs sont bons, peu importe la transformation, je crois que vous mourrez en un coup. Voilà, donc faites très attention. Et on a 41 pièces. Allez, on repasse ce truc. On va y arriver, on va y arriver. Cette fois, on ne tombera pas. C'était juste pour ça. Sérieux? Ah, t'es sérieux? C'était juste pour ça, en fait? En fait, c'était pas indispensable, quoi. Bon, là, on va se prendre ce qu'il y a sur le chemin. Alors, on va enlever cette transformation. Pourquoi? Parce que les monstres, je les brûle, mais ils ne me donnent aucune pièce. Il faut le coup de poing si vous voulez avoir une pièce. Donc là, si je peux m'enlever ce truc, peut-être lui, à la limite. C'est fait. Attention les petits, attention les petits. Si je me fais toucher une fois, c'est mort. Attention, attention, là on vit dangereusement. Et ouais, ça peut aller très vite. J'ai pas envie de tout me retaper. Ça me ferait chier. Oh putain, ils sautent au second. Oh putain, oh, le danger. Danger public, toi. Une transformation. Oui, merci. Ah, enfin, bon, ça fait du bien. Attention le temps, attention le timer. On va peut-être pas aller trop en arrière. J'essaie d'avoir en fait un maximum de pièces. Mais je suis peut-être un peu trop gourmand. Allez, on va vers la fin. On va vers la fin, il serait temps quand même de terminer ce niveau qu'on a déjà fait en partie. Il serait temps de passer à autre chose. Donc, on va récupérer quelques pièces quand même. Et toi, je vais me débarrasser de toi. Attention avec la plateforme qui saute. Hop! Voilà, bon, on l'aura comme ça, je sais pas s'il donne une pièce, mais c'est pas grave. 67, normalement on est bon, normalement on devrait être bon. Wario va pas très vite, c'est l'inconvénient dans ce jeu, c'est que Wario vraiment va lentement. Je garde ça, je prends pas la flamme, j'ai pas envie, j'ai vraiment envie de gagner des pièces le plus possible, on est à 50 secondes, attention, attention. Est-ce que c'est la fin? Je crois que c'est la fin. Il y a Monsieur Boomerang, vous vous rappelez la dernière fois, je me suis fait détruire par lui. Dégage! On a 97 pièces. Je prends 10 pièces pour ouvrir la porte de fin. On a 87 pièces, c'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve qu'on est bien. Alors, il y avait un deuxième mini-jeu que je voulais vous montrer. Je vous en ai montré un la dernière fois, je vais vous montrer le deuxième. C'est pas celui que j'apprécie le plus, mais bon, je vais vous le montrer. Et tu choisis en fonction du nombre de pièces ta course. Course A, course B ou course C. Waouh. Oh, ça fait chier de dépenser autant. Bon, on va tous se les faire au moins une fois. On va se faire la C hein, pour commencer. J'ai 5 bombes. Alors, le but c'est voilà, d'appuyer au bon moment quand le monstre est devant et de doser sa puissance. Alors, le mieux c'est de lancer à fond ou presque à fond. Ah merde, le temps! Ah merde! Non! Ah merde! Ah, le temps, j'avais pas vu qu'il y avait un temps. 10 secondes. Ok. Allez, cette fois, je vais lancer. Hop! Je l'ai eu. Bon, j'en ai eu un. Ça va, ils vont pas trop vite. Je suppose que les autres sont des niveaux plus difficiles. C'est con, j'en ai loupé un, j'aurais pu faire un perfect. C'est dommage. Non, qu'est-ce que j'ai fait? La barre de puissance, je la croyais au maximum. Je n'aime pas trop ce jeu. Je préfère l'autre. Ah d'accord, oh mais regardez les récompenses, c'est quoi? Alors que l'autre, tu peux gagner plus de pièces. Ah non, mais clairement, ça vaut pas le coup de faire ça, en fait. Tu gagnes pas de pièces à ce truc? Alors, attendez, c'était la course C. On va essayer la course B et la course A les prochaines fois, histoire de voir si ça rapporte des pièces. Bon, on a 141 pièces, c'est pas mal, c'est pas mal. Zéro trésor pour l'instant sur les 15. Et A, regardez, il y a une petite pièce bizarre.
Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un trésor dans ce niveau? Alors, si on trouve le trésor, je le prends. Ouais, il y a peut-être un trésor. À moins qu'il faille refaire le niveau après, je sais pas. Mais il y a un truc. On voit bien que la couleur n'est pas la même, attention à lui. Ça, c'est un crabe. Alors, il me semble qu'il y a un passage secret ici. Le sable disparaît. Ouais, mais c'est un autre moment. La flamme, alors, la flamme, clairement, vous avez compris. Je vais éviter de la prendre. Parce que sinon, je ne récupère pas les pièces avec, c'est dommage. Alors, toi, tu vas me donner ta pièce, s'il te plaît. Non, ah, je peux pas utiliser. D'accord. Non, j'ai compris. Je peux. Mais le sable, ça va me bloquer en fait. Putain de merde. Attends. Il va me bloquer ce con de sable. On peut passer en dessous ou pas? Ah ouais, c'est dangereux. C'est hyper dur de se déplacer. Et je peux pas utiliser le coup de poing. Regardez. Voilà. Ah, peut-être bah, on va récupérer la flamme alors dans ce cas. Elle va me servir. Allez, pour le coup, peut-être que la flamme va m'être utile. Faut voir. Est-ce que ça dépanne ou pas? On peut l'utiliser? Oui. Bon, ça dépanne provisoirement. C'est hyper dur de se déplacer là-dedans. Et voilà. Et toi, tu me donnes rien. C'est ça que j'aime pas en fait. C'est que là. Je me suis fait toucher. Il faudrait une autre transformation. J'aime pas les flammes. J'aime pas. Bon, je suppose que si on va dans le sable, là, on disparaît, on meurt. Je pense. On va pas tenter, à moins que ce soit un passage secret. Allez, ça va. Regardez là. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Allez, on tente. On tente le passage secret. Je dirais qu'il y a un passage secret sans être sûr. On essaye? C'est un passage secret. Ouh. J'ai bien fait de tenter ma chance. Oh oui, ça valait le coup. Oh oui, c'est qui lui? Oh putain, nouvel ennemi. Alors attends, oh putain, dégage de là. Attention, il lance des couteaux. Faut faire attention. Ok, et regardez. Hop, non, je vais vous montrer ça. Voilà, restez au plafond et vous lâchez quand vous voulez. J'ai le coup de cul, ouais. J'ai le coup de cul avec ça, c'est parfait. C'est bien, on récupère des pièces. Et on remonte. Ok. Alors je vais revenir en arrière quand même, histoire de ne rien louper. Là, cette transformation, je l'aime. C'est ma préférée, je pense. Alors, c'est. Non, je préfère Wario Fusée. Ceci dit, j'ai même pas essayé de faire le cul avec Wario Fusée, le petit coup de fesse. Je pense pas que ça marche, mais on essaiera. Là, ouais, c'est cool. T'as à la fois le coup de poing et à la fois le coup de cul. Et du coup. Voilà, c'est pratique ça. Bon, on va reprendre à la cascade de sable qui était là. Voilà, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un passage là? Ouais. Non, pas de passage. Ok. Alors, c'est des pics ça ou pas? Je tente pas ma chance. Je dirais que c'est des pics. Je tente pas ma chance. On prend pas le checkpoint, vous avez vu, je ne l'ai pas pris. J'ai fait exprès, histoire d'économiser les pièces. Après, s'il y a des niveaux vraiment très dangereux, je le prendrai. Voilà, mais si je peux éviter, ça permet d'économiser 10 pièces, c'est pas mal. Encore une cascade de sable. Putain, j'espère que c'est pas des pièges. Imagine, c'est des pièges. Pêche au moule, je ne veux plus y aller, maman. 173 secondes, ça me paraît bien. Hop, mais oui, hop, c'est quand même plus facile. Alors, ne leur sautez pas dessus, ça donne pas de pièces. Pareil. Vous devez faire le coup de poing si vous voulez la pièce. Voilà, ça on a fait, c'est parfait. Bon, pour l'instant, le niveau, il y a de la difficulté, mais vous allez voir, ça va quand même augmenter. C'est encore rien par rapport à ce qui nous attend. Là, il doit y avoir un truc en... Eh, pas du tout. C'était juste pour un cœur. Je dirais qu'on n'est pas loin de la fin, hein. Non? Ah, putain. Ah, ouais, mais... Ah,
ça va être compliqué là. Attends. Non, non. Putain, le sable. Faut pas que je reste dans le sable. Sinon, je suis bloqué. Non, mais je voulais te tuer. Voilà, je tiens vraiment à récupérer un max de pièces. Est-ce qu'il n'y a pas un truc en hauteur ici? Allez. Non, ici non plus. Ok. Ah, on est à la fin. Oh, me dis pas qu'il y a un truc. Ici, ici, il y a un truc. Oh putain, il y a deux sorties. Oh, bande de cons, il y a deux sorties. Ça veut dire quoi, ça? Ouais. On en parle, on fait quoi? On prend la première ou la deuxième? Alors, je me dis que la deuxième est une sortie secrète, on va la prendre d'abord. Et on viendra refaire la première. 55 pièces. Ah, c'est pas énorme, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup, là. On se fait lequel? On se refera le cœur une autre fois, je vais essayer de gagner des pièces, là, quand même. Allez. On se fait celui-là. Ok. On va faire celui-là. Donc là, j'ai doublé mon nombre de pièces, 110. Alors, c'est comme ça, et là, on resélectionne le même. On essaye. La dernière fois, j'avais fait l'inverse, et je m'étais fait avoir. On réessaye là. Oh, c'est dommage. 220 pièces. Ah, c'était bon, ça. Ah, c'est dommage. Ah, c'est vrai, c'est le risque, c'est le risque. 220, ça aurait été bien. Imagine 440. C'était tentant. Ouais, c'était vraiment tentant. Alors, est-ce qu'on s'en fait un petit dernier? On va voir. Est-ce que c'est la sortie secrète? Comment tu t'appelles, toi? J'aurais voulu voir le nom de la course. Je pense que c'est... Je suis pas sûr. On va aller faire l'autre sortie. Alors du coup, ça me fait refaire le niveau, c'est ça? Je pourrais gagner les pièces, du coup. Parce que la question, c'est en fait, si tu te fais plusieurs fois le niveau de suite, tu gagnes plein de pièces, quoi. Donc est-ce que tu peux gagner plusieurs fois des pièces dans un même niveau? Je sais pas. Je ne sais pas, aucune idée. Écoutez, comme on le refait une deuxième fois, on va pas s'attarder sur les pièces. On va prendre celles qui sont sur le chemin uniquement. Je vais pas refaire le niveau à fond. Cette vie, je vais regagner une vie. Bon, au niveau des vies, on est vraiment bien. Je pense qu'on n'aura pas de game over. Peut-être à un moment, je vous ferai un game over, juste histoire de voir l'animation. Je ne me rappelle plus. Et là, ça m'emmerde, ça. Je peux pas tuer. Je peux pas avoir des pièces avec ce truc. Tiens, on l'avait pas vu, lui. J'ai gagné une vie. Parfait. Ici, il y avait un truc. Non, c'était pas ici. J'aimerais bien avoir... Voilà, une autre transformation. Non, c'est pas ça. Alors, il faut quand même des pièces pour la fin. Hein, là, je vois qu'on en a que 16. Il faut quand même 10 pièces pour ouvrir la porte. On va essayer d'en collecter pas mal. Donc là, on a fait. Bon, on va vérifier si ce truc, c'est des pics. Voilà, j'avais envie de savoir depuis le début. Ça n'est pas des pics. Ok. Et je voudrais une transformation différente. Ça me plaît pas d'avoir ça. Non, ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas une transformation en bas dans le sable? Ouais. J'ai un doute. Est-ce qu'il y a le sable ici? Non, il n'y a pas le sable, c'est pas ici. C'est pas grave, on va continuer, on va avancer. Comment ça c'est qu'il y a deux portes? Ça, je ne me rappelais pas qu'il y avait deux portes. Ça me dit rien. Voilà, c'est... Bon, c'est pas celle à pique, mais j'ai ça. On peut remonter par là? Non, on peut pas. Si, c'est celle à pique. Ah si, c'est le chapeau à pique. C'est Wario Toro. C'est comme ça qu'on l'appelle, Wario Toro. Voilà, clairement, il est bien, lui. Vous pouvez faire des secousses à terre, voilà, notamment sur ces monstres, c'est pratique. J'ai fait le coup de fesse, j'aurais pas dû. Parce que du coup, j'ai pas eu ma pièce. Juste pour t'assommer un peu, mais par contre,
que je te tue comme ça. Ok. Alors, on va refaire le... On va faire le niveau de cœur, si on peut. Alors, il faudrait 10 et 40. Je crois que le niveau 2, là, c'était 40 pièces. Donc, on va essayer d'avoir 50 avant la fin. Putain, t'as failli me niquer, toi. Bon, tant pis. Allez, hop, dégagé. Eh ben voilà. Ah bon, on y est déjà. Non, j'ai pas mes cas. Ah, bah tant pis. Tant pis, on fera pas le niveau bonus que je voulais faire. Est-ce qu'on peut déjà le refaire? Ouais, on peut. Allez, on se refile. Ça peut pas toujours marcher. Hein. On essaye l'autre ou pas? C'est vraiment du hasard. Oh putain, non! Oh non, alors là... Oh la cata, oh la cata! J'ai gagné 3 pièces, non! C'est dégueulasse. On va se laisser là, les amis. Je voulais juste voir. Donc, on peut regagner des pièces encore. Ah, voilà, donc c'est bien une autre sortie. Il y a une sortie secrète et une sortie normale. Laquelle est la bonne? Bah écoutez, je pense que celle-là est la sortie normale. De toute façon, on va les faire les deux. Hop. Oui, voilà, regardez, il y a une caverne et ça nous amène au boss. Donc, celle-ci serait la sortie secrète. Ok, on se la fera la prochaine fois. Et regardez, je vous rappelle que le niveau qu'on vient de faire, il y a un rond qui n'est pas le même. Et je crois que c'est pour vous indiquer qu'il y a un trésor à cet endroit. Mais je crois qu'il faut terminer le monde. Ça permettra de faire disparaître le sable. Il me semble, ce trésor, je m'en rappelle. Je ne me rappelle pas de tous, mais celui-là, ça me revient à l'esprit. Les amis, j'espère que Wario Land vous aura plu, ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à liker. Commentez, dites-moi un petit peu si vous avez déjà joué à ce jeu ou si vous le découvrez, je serais ravi de vous lire. Et moi, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page Facebook. C'était l'OSH, à bientôt tout le monde, ciao.